Comme une bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Elena. Tu peux Yo. Boire. D'accord. Alors, okay, alors attends. Je vais boire un peu, j'ai soif. Je suis donc accompagné dans cette vidéo de Elena, qui est une de mes meilleures amies. Salut! Et la vidéo est en partenariat avec Le Furet du Nord, car Le Furet du Nord m'a contacté. Le Furet du Nord, c'est une enseigne de librairie qui est principalement dans le Nord. Je vous mettrai les informations quelque part ici, car je sais qu'ils sont un peu présents ailleurs, dont à Reims. C'est pour ça qu'ils m'ont contacté, parce que j'habite à Reims. Et il doit y avoir quelques magasins en région parisienne, je crois, à Beauvais. Ils m'ont contacté car ils ont lancé un nouveau service d'occasion, de livres d'occasion dans leur librairie. Donc si vous habitez à côté d'une librairie des Furets du Nord, vous pouvez vous y rendre. Et il y a des livres à partir de 3,99€ jusque, je crois que les plus chers qu'on a pris en occasion, ça devait être 8,99€. Enfin, 7,99€. Donc en gros, c'est des livres qui coûtent soit 4€ pour les poches, 3,99€, soit 8€ pour les grands formats. En tout cas, moi, c'est ce qu'on a vu. Ouais, et il y en avait plein. Blanc. Il y avait au moins 8 bacs d'occasion. Du coup, payer ces livres 8€. Cool, grave cool, ouais. En vrai, je pensais que j'allais galérer parce que souvent, dans les librairies d'occasion, tout ça, c'est quand même des vieux titres ou des trucs qui sont un peu désuets, genre Daniel Steele, Françoise Bourdin. Il y en avait, effectivement, mais on a trouvé chacun deux romans. Et en plus, ils étaient en super état, quand même. Ouais, Elena... Moi, j'avais pas compris que c'était le bac des occasions. Des occasions, parce que je croyais qu'ils étaient neufs. Que c'était neuf. Elena était choquée. Moi, après, avec mon œil d'expert, je me suis rendu compte que c'était pas... Parce que moi, je n'ai pas l'œil d'expert du tout. Donc oui, Elena, pour vous la présenter, c'est ma meilleure amie. Elle est institutrice. Et, ouais. Bah oui, c'est t'es dingue institutrice. De dire. Et elle est lectrice occasionnelle. Je te donne quand même assez régulièrement des bouquins. Oui, je lis quand même pas beaucoup du tout. Donc je suis un peu inquiète de ce que ça va donner. Mais je suis petite lectrice. Voilà, j'aime bien lire sur la plage en vacances, mais j'ai du mal à lire au quotidien parce que bah, les réseaux, je passe du temps sur mon téléphone, bref, je pense comme beaucoup de monde. Mais voilà, de temps en temps, je réclame des livres. Mais en vrai, ouais, tu lis quand même assez régulièrement. Ouais, je te réclame souvent des livres, mais au final, est-ce que je les lis tous? Non, il faut quand même que j'ai des trucs qui m'accrochent bien parce que j'ai du mal à mettre dedans, donc voilà, il faut un truc qui me tienne. Et donc, bah, vu que c'est en partenariat avec les Furets du Nord, ils m'ont donné un bon d'achat. Est-ce que j'ai le droit de dire la valeur du bon d'achat? Je ne sais pas. Je vais le dire, au pire, je demanderai, je couperai. Ils m'ont fait un bon d'achat de 100 balles, de 100 euros, pour qu'on se fasse plaisir avec Elena. Et on a trouvé plein de trucs. Donc, dont on s'est forcé. On s'est forcé, oui et non, parce qu'on a trouvé tous les deux livres d'occasion. Ouais. Et moi, j'ai pris trois autres. J'avais assez pour prendre trois autres romans. Et Elena aussi, trois autres romans d'ailleurs. On est arrivé, c'est le premier truc qu'on a vu, les livres d'occasion. Vrai que c'était directement quand on est rentré dans la librairie, les livres d'occasion, donc on a regardé dedans et on a trouvé chacun deux romans. Et après on s'est baladé. Et après on s'est baladé dans le Furet, qui est très chouette d'ailleurs. Le Furet du Nord de Reims se trouve au dernier étage des Galeries Lafayette à Reims. C'est magnifique. Et c'est vachement lumineux comparé à d'autres librairies rémoises qui sont sous terre. Celle-ci est vraiment très lumineuse et c'est chouette de chercher des bouquins dans un endroit lumineux. Et puis il y a plein, ils vendent pas que des bouquins, il y a un coin en papeterie. Ouais. Ouais, c'est grand. Hein. Des. Il y a des. Des jeux. On n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il y avait aussi des jeux de société. Ouais. Il y a. Bah, c'est les un BD. Peu la mieux quoi. Faut pas dire. c'est vraiment une grande enseigne généraliste, mais très bonne sur la littérature et sur d'autres choses. Donc on a chacun 5 livres et on va vous les présenter rapidement. Tout d'abord, les livres d'occasion. Je vais commencer comme Vas-y. Ça. Tu peux t'inspirer de mon talent d'orateur. J'ai pris, désolé, je mets dans ta tête, L'Atelier des Miracles de Valérie Tong Kuong. Je connais pas du tout l'autrice, elle est quand même assez connue dans la littérature française contemporaine, blanche comme on l'appelle. Je sais qu'elle a sorti un bouquin qui a fait pas mal, je me demande si c'est pas Tesson d'éternité à la rentrée cette année. Je vous mettrai ici le titre, ou là la couverture sur la tête d'Elena. Et là en gros on nous parle de trois personnages, j'aime bien, c'est un roman choral, il y a Mariette, Mike et Millie, qui sont un peu à des moments charnières de leur vie, c'est un peu la merde quoi, elles sont des âmes cassées, et elles vont aller voir Jean, qui est horloger, et qui va essayer de les réparer. Ça a l'air d'être un peu un conte, pas philosophique, mais vous voyez, dans la veine du Liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent, ou Jack et la mécanique du cœur, enfin, Mathias Malzieu. Je pense que c'est vers là-dedans, vers ça qu'on va se tourner avec ce bouquin. Et bah, il était à 8€, et attendez, je crois qu'il y a le prix en dessous, je crois que c'est un... Non, j'ai vu le prix quelque part. Non, bon, en tout cas, c'est un grand format de chez JC Lattès, donc c'est minimum 20 balles. Je l'ai payé 8€, c'est moins de... plus de 50% de réduction. Donc voilà, je vais découvrir Valérie Tong Kuong avec ce bouquin. Voilà à peu près comment on fait, Manouns. C'est parti. Alors...
Alors, moi j'ai choisi, enfin c'est un peu Floris qui a choisi pour moi, mais le livre d'Olivia Ruiz, La commode tiroir de couleurs. En fait, je lui ai demandé un truc qui ressemblait aux hirondelles. Aux hirondelles ? Aux hirondelles. Aux hirondelles, désolée Nasty. comment il s'appelait le livre ? Les hirondelles ? Non, c'est pas ça dont tu m'as parlé tout à l'heure. Les demoiselles. Les demoiselles. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'était un livre qui parlait des femmes, enfin de deux jeunes filles qui traversent les Pyrénées, qui viennent d'Espagne, qui traversent les Pyrénées pour travailler dans une usine au Pays Basque, une usine d'espadrilles. Et bref, c'est un truc qui ressemblait à, enfin voilà, qui parlait de la culture basque, etc., et de la culture espagnole. Et du coup, Floris m'a conseillé ce livre. Donc là, c'est Olivia Ruiz qui l'a écrit, c'est un roman. Et ça parle de secrets que sa grand-mère va révéler, qui vont être trouvés. Et ça raconte l'histoire de générations de femmes entre l'Espagne et la France, et ça parle aussi de la dictature franquiste. Et du coup, vu que j'avais bien aimé l'histoire des jeunes filles espagnoles qui viennent, qui traversent la montagne, etc., pour travailler dans l'usine, et ben voilà, on est parti sur le thème un petit peu espagnol. Et moi, je l'ai déjà lu, mais je pense que j'ai plus le bouquin à la maison. Mais en tout cas, il était aussi à 8 euros. Il était aussi à 8 euros. Alors que c'est un grand format. Bon, alors après, il est disponible en poche parce qu'il a vraiment eu du succès quand il est sorti. Et puis, je savais pas du tout que Olivia Ruiz avait écrit un livre. Ça doit faire un an ou deux. J'ai aucune idée. Je pense pas que c'est le livre. Non, il y a pas le prix. Ça doit faire un an ou deux qu'il est sorti parce qu'entre-temps, elle en a sorti un nouveau. Mais là, on n'est pas dans le Pays Basque, on est à Narbonne. C'est plus ou moins la même région. Enfin, c'est de l'autre côté, mais. Mais c'est des femmes mais qui fuient l'Espagne pour aller à Narbonne. Voilà, c'est ça, ça parle de la culture espagnole. Et là, elle parle de sa grand-mère en disant « mon abuela ». Et bref, ça m'a donné envie. Et on a vraiment le côté où c'est une commode avec 10 tiroirs. Et dans chaque tiroir, elle trouve soit une lettre ou une photo, un secret qui permet de remonter le temps et... raconter son histoire. Et ouais, et je pense que ça va te plaire. J'espère en tout cas. Ensuite, j'ai trouvé, je suis trop content, un grand format de chez Gallimard, Cœur Tambour 2, Scholastique Mukasonga. Donc Gallimard, la collection blanche, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Ben là, c'est marqué 17 balles. Et qui est assez... comment dire? Pour pas paraître snob, mais voilà, c'est un peu la collection ultime, tu vois. C'est pour l'élite. Ouais, mais j'aime pas trop parce que t'as des trucs qui sont pas du tout élites là-dedans, mais c'est un peu comme ça que c'est vu. Et donc Cœur Tambour, ça raconte l'histoire d'une princesse africaine, Niabingi. En gros, ça se passe en 1935, quand l'Éthiopie se fait envahir par l'Italie de Mussolini. Alors là... Fasciste, voilà. Elle incite en cycle... Ouais, incite, mais... Attends, okay, cycle 2. Cycle 3. Cycle 3, en plus. Et en gros, il y a une espèce de société secrète qui se retrouve autour de cette personne qui s'appelle Niabingi, qui est une princesse, et qui veut envahir l'Europe et tuer tous les Blancs. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude, enfin, de ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est des Blancs qui sont... soit vers les peuples juifs, etc. Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais j'ai vu Société Secrète, je crois qu'on nous parle de la naissance de la musique Rasta, etc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça peut être chouette, et c'est un petit roman, il fait 150 pages, donc j'aime toujours découvrir, elle est du Rwanda, elle est née au Rwanda, j'aime bien découvrir la littérature africaine, car c'est une littérature qui est peu mise à l'honneur et en avant, surtout, enfin, on a facilement accès à la littérature maghrébine, nord-africaine, mais un peu moins... à l'Afrique subsaharienne, donc c'est assez chouette. Alors, oui, ta mère, elle me l'avait prêté. Mm. Il était vraiment bien. Oui, parce que ma mère et Floris se prêtent un livre aussi, et je fais l'intermédiaire. C'est vrai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pensé. Oui, de ouf. Livre, d'ailleurs. Faudrait que je fasse une petite sélection. Le journal de ma disparition, Camilla Grebe. Grebe, je ne sais pas. Je crois qu'elle est norvégienne. Donc enfin, là, c'est plus... Nord, c'est plus une histoire... polar, un peu enquête, on sait pas trop ce qui va se passer parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, je lis pas beaucoup et j'ai besoin d'histoires. Ça, c'est vraiment ta cam. Ouais, où il y a une intrigue et j'ai envie de savoir la fin et voilà. Du coup, là, ça parle de Maline, du coup ? Ouais, je pense Maline. Adolescente qui découvre une fillette enterrée dans une forêt en Suède. Suédoise, hein. Voilà, et après il y a toute une enquête autour de cette histoire. Mais est-ce que c'est pas la meuf enterrée qui raconte? Parce que tu vois, ça s'appelle le journal de ma disparition. Ah bah je ne sais pas. Maline. We'll see. Alors moi j'ai jamais lu Camilla Grebe, mais c'est pour ça que je lui ai conseillé vite fait, parce qu'elle est assez appréciée dans le polar nordique. Le polar nordique est souvent considéré comme un peu mou, un peu lent, et justement Camilla Grebe va un peu à l'inverse de ses codes, et c'est assez haletant, semblerait-il.
Oui, là, il y a plusieurs personnages, Peter, Anne, qui sont retrouvés, puis qui disparaissent du jour au lendemain, et voilà, on sait pas ce qui se passe. Et je crois qu'il est... Et en fait, toutes les disparitions et toutes les enquêtes sont un peu liées au même... Ah oui, c'est un tueur en série, quoi. Ouais, au même... En fait, tout est lié et... Il y a une carte. Ouh. Elle a obtenu le prix Glaske Award, qui couronne le meilleur polar de tous les pays nordiques réunis, pour ce roman. Un beau moment de lecture en perspective. Le soleil sur la terrasse. Elle vit que pour le soleil. Celui-là, on le voit. Putain, on les voit tous. Non, le blanc. Mais c'est pas grave, tu peux en prendre même si on les voit. Non, non, je veux qu'on voit mes cousins. Ensuite, bah alors là, ça c'était les deux livres d'occasion que j'ai payé 8 euros, moi, pour ma part. Donc ça fait 16 euros les deux grands formats. Celui-là, on avait dit à combien il était ? 4 euros ! 4 euros. Ouais. Alors que c'est 8,40, donc c'est plus de 50%. Moi j'ai pris, parce que c'est très rare de les trouver, donc le tome 4 des Annales du Disque Monde Mortimer. J'ai lu les trois premiers tomes. C'est une saga, je vous la présente plus, hein, il y a 40 tomes, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à trouver en librairie cette édition particulière de chez La Talente en grand format. On trouve souvent les éditions poche de chez Folio SF qui sont plutôt affreuses. Et là, pour une fois, il y avait Mortimer. Et comme ça, ça m'évite de devoir le commander sur internet parce que c'est ce que je vais devoir faire, hein, pour les autres tomes. C'est sûr que je ne trouverai pas les 40 tomes en librairie. Je suis content d'avoir pu trouver Mortimer et je suis content de découvrir ce nouveau cycle dans les Annales du Disque Monde parce qu'on va découvrir le cycle de la mort avec ce personnage, avec le fils de la mort. Morty traverse les champs en courant. Voilà. Apparemment, c'est un peu le fils de la mort, mais qui est très joyeux, très gai et qui n'arrive pas à tuer les gens. Donc ça va être encore assez absurde, assez décalé, plein d'humour. Et j'ai très très hâte de retrouver cet humour un peu pince sans rire des British et de Terry Pratchett. Elle adore la Grande Bretagne. Nice. Bah d'ailleurs, t'as un livre qui se passe à Londres, je crois. J'ai un livre qui se passe à Londres, tout à fait, qui s'appelle Je serai ton nom, de Lisa Joel, on ne sait pas trop comment ça se prononce. Et donc c'est Kate qui vit à Londres avec son mari et ses deux enfants, et puis elle croit que son mari a une liaison avec une autre femme. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a d'autres choses qui se passent, mais avec ses enfants, ils sont suivis. Enfin, il y a une voiture qui suit un de ses enfants, et donc elle commence à se rendre compte qu'il y a des choses pas claires qui se passent. Elle se rend compte que son mari, il est investi dans une histoire un peu plus dark, et c'est pas seulement une rupture. Et donc, voilà, pareil, il y a une petite histoire d'enquête, on sait pas trop ce qui va se passer, un peu de suspense. Et ça, tu l'as choisi parce que, principalement, ça se passe à Londres. Oui, en fait, j'ai vu Londres, et après, je dis, allez, on l'embarque. Cette dame a vécu une année à Londres. Oui, et voilà, du coup, je me suis dit que ça allait me replonger un petit peu. Ça, c'est ce qu'on appelle du thriller domestique. D'accord. En gros, c'est peut-être mal de le dire comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu, tout à fait, oui. C'est du thriller de ménagère, on va dire. Mais en vrai, c'est ce qu'il te faut parce que toi, c'est comme ça que t'es. Oui, moi, faut que ce soit de la lecture simple quand même. Hein. Faut pas que ce soit trop. Et c'est trop cool que tu trouves ton plaisir là-dedans dans la lecture. Mm-hmm. Et puis, bah pareil, en fait, non, celui-là, je te l'ai même pas recommandé. C'est toi qui me l'as montré. Ouais, et j'ai vu Londres et vu que c'était le dernier que j'ai choisi, il m'en restait un à choisir. J'ai dit, allez. Et puis moi, quand elle me l'a montré, je dis, bah ouais, carrément, parce que Lisa Joel, bah, c'est comme Camilla Greb, en gros. Pour les polars nordiques, celle-là, elle est assez réputée. Et Lisa Joel, dans le thriller domestique, bah elle est assez réputée aussi. Donc. Ah bah, ensuite j'ai pris Les Suicidés du bout du monde de Laila Guerriero chez Rivage en poche, donc chez Rivage Poche. Il est sorti en grand format l'année dernière, je crois que je l'ai vu passer sur le compte de Christophe sur la route des livres. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble parce que Christophe est en partenariat avec Rivage, donc ça serait pas impossible. Je suis pas sûr que ce soit un roman, je me demande si c'est pas une enquête genre de la non-fiction, parce que on nous dit qu'on nous parle de Patagonie. Patagonie, la Patagonie. La Patagonie. Chez Florent Pagny, quoi. Oui, tout à fait, en Argentine. Donc c'est en Patagonie, dans des plaids arides, où il y a une vague de suicides chez des jeunes gens, dans une toute petite ville. Et en fait, la ville, elle me donne trop envie. Enfin, genre, cette couverture, ça me fait trop envie. Genre. On sait pas pourquoi ils se sont suicidés. Non, on sait pas pourquoi ils se sont suicidés. Ça et doit être bien, ça. Sillonnant les rues désertes de cet étrange Far West, Laila Guerriero, donc c'est l'autrice elle-même, donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt un reportage qu'elle a fait, genre, dans la ville. Ah, genre, ça donc c'est tiré ça a dû, histoire, ouais, je pense que ça s'est vraiment passé. Entre avec tact et humilité dans la vie des familles et des amis pour restituer les destins brisés en quête d'une vérité toujours fuyante. Elle fait résonner les voix multiples d'une humanité qui lutte contre l'indifférence. Ouais, c'est un récit, donc je pense que ça s'est vraiment passé et que la meuf, elle a mené l'enquête. Chaud. Et ça a l'air d'être trop intéressant. Et puis je vous dis, c'est peut-être l'ambiance qui m'attire. J'aime bien un peu cette station. Ça fait un peu désertique. Qui crève. J'aurais pas dit que c'était en Patagonie. Moi, tu me dis Patagonie, je m'imagine la jungle, je sais pas pourquoi. Ah non, je crois la Patagonie, ouais, il y a un désert en Patagonie, c'est possible. Il me semble. Parce que là, elle parle de plaine aride. Ouais. Ah oui, voilà, c'est du journalisme narratif. J'ai trop hâte. C'est celui-là, pour l'instant, je pense qu'il va être lu en premier, qui me donne très envie.
U-Turn Beach. Elle passe du récit de famille vers le thriller, le polar, le, voilà, l'enquête, à la new romance. Et je pense que je t'ai jamais fait lire de new romance. Je pense que... Bon, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, ouais. Les trucs un petit peu... torride, épicé. Sur internet on dit spicy, épicé. Enfin, je savais pas que ça s'appelait la new romance, mais il y avait tout un blog, ouais. Avec bah, plein, en fait, de bouquins. La new romance, c'est ce qui perce sur TikTok de ouf. Ah, ça m'étonne pas. Toutes les, mais même des jeunes filles pas en âge de lire certaines choses lisent de la new romance, tu vois. Et donc là, c'est Colleen Hoover qui nous raconte une histoire d'une jeune fille qui s'installe à San Francisco et qui rencontre le voisin de son frère et qui sont indéniablement, attirés l'un vers l'autre, qui commence une histoire sans s'embarquer et sans sentiment, etc., sans attache. En mode PQR, quoi. Voilà. Et puis, après, on sait pas trop ce qui va se passer, mais finalement, il y aura peut-être un peu plus d'attache que prévu. Après, ils disent ne pas parler du passé, donc il y a peut-être des secrets du passé. Là, tu vois, je prends une page au pif. Ah oui, bah c'est une scène de cul. Ouais, écoute, un peu de spicy, mais ça fait pas de mal. Et bah pareil, après je l'ai déjà lu sur la chaîne Colleen Hoover, donc j'ai déjà donné mon avis sur cette autrice. Il y en avait plein des livres de Colleen Hoover. Bah il y avait le nouveau justement, la suite de Jamais Plus. Ah, oui. Mais j'avais plutôt bien aimé Jamais Plus, même si c'est absolument pas le genre de littérature moi vers lequel je me tourne. Je pense que ça peut te plaire. Ouais, moi je pense que j'ai bien aimé. Ouais. C'est pareil, c'est comme tu disais, pour toi, ce que tu recherches en littérature, bah ça coche toutes les cases. C'est pas trop compliqué, ça se lit très vite, c'est haletant, t'as envie de savoir la suite. Et tu sais, dans le livre que tu m'as offert là, avec Camilla. La cage dorée. Ah, la cage dorée. Ah bah oui. Et bah, la cage dorée, c'est pareil, il y a ça, plein de scènes un peu genre. Spicy. Ah ouais, ah ouais. Bah, en gros, la cage dorée, je pense que c'est un peu un mix de Camilla Greb et de Lisa Joel. Ok. Parce que. Camilla Läckberg, elle a l'habitude d'écrire du polar nordique. Et là, elle fait un peu plus du domestique dans celui-là. Mais t'avais bien aimé. Bah, j'avais bien aimé. Pourquoi t'as acheté la suite ? Parce que c'était un petit peu trop revenge woman, ah ouais. Tu vois. C'était un peu trop, je cherche à me venger de mon mari qui m'a trompée. Du coup, tu liras pas la suite. Je pense pas que je lirai la suite. Ouais, je trouve qu'en un livre, t'avais fait le tour du personnage. J'avais pas forcément envie de voir ce qui se passait après. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté, c'est Arcadia de Lauren Groff. Dans la collection Bibliothèque de l'Olivier chez les éditions de l'Olivier. C'est la collection poche de l'Olivier avec couverture à rabat, et j'adore les couvertures à rabat. C'est vraiment un péché mignon. J'aime la couleur, beaucoup de livres qui... Il va aller genre archi bien chez moi. Ouais. Oui, parce que chez moi on est dans un endroit beaucoup plus neutre que chez Floris, et du coup il était non, on va filmer chez moi. D'ailleurs, vous avez la seule touche de couleur de l'appartement d'Elena. Sinon, c'est beaucoup plus neutre que chez Floris. Un pot de fleurs rose que je vois là. Ouais, il y a très très peu de couleurs comparé à chez toi. Grey, black and white. Du coup, il est un peu déprimé, donc il a pris un livre un peu coloré. Un peu coloré. Donc, Arcadia de Lauren Groff, ça nous parle de ces communautés hippies des années 60 qui se disent très élargies, libertaires, tout le monde est là, on vit ensemble, en communauté, c'est la fête, blablabla, tout le monde se kiffe. Et qui, en fait, derrière cette utopie qu'on voyait en façade dans les années 60, on se rend compte que plein d'enfants ont été négligés, plein d'enfants ont été... si ce n'est violé, harcelé, ou ont vécu des enfances un peu horribles. Et là, je crois qu'on va suivre. Ridley grandit au sein de ce monde fermé sur lui-même, et il y reste jusqu'à l'implosion de la communauté. Comment se construire en dehors de l'Arcadia? Donc on va voir un gamin dans la communauté, et un gamin qui en ressort, enfin le même gamin qui en ressort, et qui essaye de trouver sa place. Parce que pareil, ils disent que c'est des communautés très libertaires, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait du piment de cayenne sur la table, justement, mais c'est pas pour moi. C'est quand même des communautés où il y a un moule. Enfin, genre, quand t'es avec que des gens qui se veulent super ouverts, tout ça, c'est... Enfin, ça a l'air d'être super intéressant. Ça fait 330 pages et ça me donne trop trop envie. C'est un roman initiatique, j'adore les romans initiatiques. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce qu'il y a ce côté un peu communautaire où ils veulent vraiment... secte américaine, je pense qu'il y a un peu ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, c'est intéressant. Et alors là, pourquoi? À mon avis, ça, c'est du gros spicy, je pense. Ouais. Bah, attends, d'ailleurs, c'est quoi? Une fleur avec un dos et la main. Ah ouais. C'est de Oli TL. Ouais, je pense. Ça s'appelle Jardin secret. Oserez-vous y pénétrer? Donc là, on est dans le full new romance. Et là, je l'ai acheté cette fois parce que ça parlait de l'Australie et d'une jeune fille au père qui débarque dans une famille qui est socialement assez médiatisée. Et dans cette famille, il y a certains secrets qu'elle va découvrir au fur et à mesure. Et avec le père de famille... il va se passer un peu plus que des relations professionnelles. Et du coup, voilà. Sachant que c'était une fille au père en Australie. Ouais. Je pense que c'est un sacré bouquin. Enfin, tu vois, c'est... Bah, après, si c'est que des scènes de cul, ça va. Mais... bah, je pense qu'il n'y aura pas que ça. Mais...
Voilà. En vrai, j'ai vu Australie, j'ai vu Londres avec celui-là. Et j'ai dit, c'est trop facile avec toi. Genre, le dernier, j'avais reçu le dernier Mélissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, par Albin Michel, parce que je suis en partenariat avec Albin Michel, et le roman me donnait pas trop envie. Et j'ai vu dans le résumé Nouvelle-Zélande, et Elena, elle est partie. Ah, mais oui, je l'ai commencé, il est trop bien. Ben voilà, elle est partie en Nouvelle-Zélande, du coup, je lui ai donné. C'est pareil, une nana qui va faire du woofing dans une ferme en Nouvelle-Zélande et on ne sait pas pourquoi elle est partie de France et il y a un secret là-bas. Enfin, il s'est passé un truc un petit peu dark et elle arrive en Nouvelle-Zélande dans cette ferme complètement paumée à l'autre bout du monde. J'adore. Mais autant sur Colline ouverte, je me fais pas trop de soucis, je pense que tu vas vraiment apprécier. Sur celui-là, j'ai un peu plus de doutes, tu vois. Je sais pas. Ouais. À voir. On verra. Après, c'est chez Addictive. Je connais pas du tout la maison d'édition Addictive. De toute façon, faut bien me laisser 5 ans pour lire tout ça. Donc, on fera une vidéo retour de lecture dans un an. Ouais, c'est ça. Il y a Océane et Tiger. Ah, le mec s'appelle vraiment Tiger. Tu te vois lire ça dehors? C'est une vraie question, genre sans jugement. Après, ça va, la couverture, elle est assez soft. Franchement, je lis tellement peu. Je sais pas, enfin oui, je pense que... Tu vois, toi qui t'y connais en littérature, ouais, tu me vois avec ça, tu dirais « Ah putain !» Bah oui, je sais direct. Ah ouais. Mais en fait, c'est ce alors que... Alors que moi, je vois un livre, enfin je vois quelqu'un ouais, avec un livre, je toi, tu te poses... oui, je me pose pas la question. Ouais. Même avec l'image, franchement... Bah, ouais, oui, ouais, quand même. En général, les images genre noir et blanc comme ça, tu peux être sûr que c'est de la nuit romance. Ah ouais, avec un petit titre. Ah, c'est ouf. Non, moi je pense que je pourrais lire. Après, ça. Après, il y a 100 fois pire que ça. Là, c'est hyper soft. Des fois, t'as genre vraiment un mec torse nu ouais, qui fait la pose comme ça sur la photo. Mm-hmm. Là, ça reste assez soft. Bah, en tout cas, à la plage, aucun mieux problème. Oui. Après, dans un café, oui, peut-être que... Tu lis jamais dans un café. Non, je lis jamais dans un café. Donc la question ne se pose pas et le problème ne se pose pas. C'est déjà fini. Bah ouais, c'est déjà fini. Bon, ça fait 30 minutes, parfait. Bah, merci au Furet du Nord encore. Merci beaucoup. Pour tous ces livres. Moi, je vais les lire en un mois, puis Elena en un an. Un an, t'es gentil. Non, en vrai, je sais pas si je vais tout lire tout de suite. Celui-là, je vais mettre 4 ans à les lire. Mais je suis grave. Je suis grave. Bah après, non, parce que regarde, Harry Kéber, ah, t'avais mis du temps à le lire. Ouais, et je sais même pas si j'ai... Je suis pas sûre que tu l'aies fini. Je crois qu'il me manque juste la fin et que je partais en Australie et que du coup, je voulais pas emmener un gros livre. Et qui me manque, tu vois, genre. Donc t'as jamais un su la fin de J'ai peut-être Kéber. Jamais su la fin de Harry Kéber. Mais sinon, j'avais bien aimé, je crois. Donc merci au Furet du Nord. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. J'ai plus batterie. Et je sais plus c'est quoi la fin. En tout cas, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes. Et d'à